En Bretagne, c'est sous le signe de Saint-Hervé que se sont réunis les luthiers et les sonneurs. Luthiers et sonneurs, des musiciens non professionnels qui perpétuent la tradition musicale. À Pluvigné, gros bourg rural du pays de Vannes, selon le temps et l'humeur, le dimanche matin, on se retrouve en formation réduite pour sonner une marche. Puis le couple traditionnel, Bignocose et Bombarde, se forme le temps de répéter un air à danser. Un peu plus tard, dans la matinée, les jeunes du Bagad, c'est ainsi que l'on désigne l'assemblée des sonneurs, se réunissent sous la direction des anciens pour le cours de musique hebdomadaire. Le programme consiste d'abord à régler les registres des différents instruments, harmoniser les deux pupitres, Bignou et Bombarde, puis à affiner l'ornementation musicale tout en restant fidèle à la tradition.
Voor ze het jou wat over? Ah oh, ja. Voor ze het wat over. Alors, zo. Maman. Maman. Ah, salut Alain. Salut. Alors, mon arme. Chivon de verre. Ja, à Chivon, ja. Oh, il descend dans une tamer. Allez. Apprendre à sonner de la bombarde, du biniou ou de la cornemuse, cette grande sœur venue d'Écosse, n'est pas difficile, mais long. Do, do. Il faut des années de travail quotidien pour qu'à l'unisson, le couple puisse des heures durant mener marches et danses lors des fêtes ou faire danser les hommes et les femmes d'aujourd'hui avec ces airs qui viennent du fond des âges.